Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur Unpacking. Vous êtes à Café Jeudi. Et on va reprendre notre partie laissée la dernière fois. Du coup, pour situer un peu, Unpacking, qui est un petit jeu indé sorti l'année dernière, édité par Nimble. Et en gros, nous sommes sur un jeu, sur un petit jeu narratif. On va nous raconter une histoire, et l'histoire va se raconter via des déménagements. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va déballer des cartons et aménager nos appartements comme on le souhaite. Et du coup, vous pouvez revoir la rediff qui est toujours en ligne sur Twitch, sur ma chaîne. Et en fait, donc on a commencé en 1997, où en fait on a aménagé notre chambre. Ensuite, on s'est retrouvé en 2004, plus tard, et on était dans notre première chambre d'étudiant. C'était assez marrant. Donc la première chambre, quand on est enfant, on voit qu'on a des objets à nous, on a un ballon, on a un trophée, des trucs comme ça. Et en fait, on se rend compte en 2007, quand on a notre premier appartement à nous tout seuls, qu'en fait, y a des objets de notre enfance qui nous suivent et qui s'ajoutent aux nouveaux objets de notre vie. Après, on est en 2007. Donc là, plus bel appartement, plus grand, tout ça. Et de nouveaux objets se rajoutent encore, tout ça. On pense qu'il y a des objets qui ne sont pas à nous, c'est peut-être la personne avec qui on habite. Et du coup, là, on était en 2010, dans notre nouveau nouvel appartement. Et on voit que c'est un peu step up, on se retrouve avec des objets. Donc on faisait des études d'art. Et on se rend compte que ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour nous, ces études d'art. Ce qui est plutôt cool. Du coup, je vois que il y a déjà des objets placés, comme sur les autres. Et on peut déjà les... Ça ressemble à un PC, ça. Oh yes. Le petit salon. Est-ce qu'on a un bureau? On n'a pas de bureau. On va commencer par la chambre. C'est bien la chambre. Donc là, on voit le bestiaire. Et on voit qu'on habite avec quelqu'un, en fait. Ça y est. On a aménagé avec quelqu'un. Du coup... On va pas commencer à mettre notre bazar. Donc on a l'air d'habiter dans une grande ville, d'après ce que je vois par la fenêtre. Donc là on retrouve un peu les vieux objets qu'on se traîne depuis quasiment le lycée. On va trouver de la place. Ah.
Hop, déjà on voit un peu la différence de couleur dans les vêtements. Ça manque un peu de place pour moi, là. Je trouve. Est-ce que je commence à foutre mon bazar dans ses affaires ou pas? Je vais commencer à mettre mon bazar dans les affaires, ça va être bien. Ah, voilà. Très bien. De nouveau centre. C'est exactement ça qu'on veut. Ça en fait des affaires. Où est-ce qu'on va ranger les affaires? Ce petit canon. On peut le mettre sous la main. On va mettre sous la main. Thank you.
Ah oui, par contre, ça peut aller sur le lit. Ah, ça peut. Allez, hein. Nous avons notre petit tablier. On a des affaires de partout. Maintenant je vois notre petit code, on va le mettre là. On prend pas trop de place, hein. J'aime pas prendre trop de place hein. Quand on est chez les gens comme ça. C'est vrai, on est en train d'aménager ensemble. Quand même. Hello. Salut Paulette, comment vas-tu? Ben cet appart est très cool, mais j'ose pas m'étendre. J'ose pas m'étendre avec les affaires de l'autre personne qui est là. Depuis tout à l'heure, je sors des trucs et je fais oh moi, mais où est-ce que je vais les mettre? Elle me dit mais j'ai pas envie de foutre mon bazar partout. Ben ça va bien, nickel. Ça va nickel. 31 ans aujourd'hui. À l'aide. Et ce cadre, je sais pas comment faire. Je vais quand même pas le foutre sous. Ça m'en dit peu. À moins qu'on soit obligé de le mettre sous le lit. Mais pas ouf. C'est quand même mon diplôme, quoi. On va le mettre par là pour l'instant, tant pis. Mais ouais, j'ose pas m'étendre sur le. Alors que bon, bah, je pense que j'y habite aussi. Hein, mais... Du coup. Encore des vêtements. Toujours des vêtements. Mais il est bourré à rabattre ce truc. C'était dans la salle de bain que j'étais. Ne soyons pas. Ouf.
prend de la place, hein, le garçon. Enfin, la personne prend de la place. On va pas... On va mettre ça par là. Ça, c'est ma tasse. Je suis parti. Paf. Ah bien. Très bien. Trop de coupons, vous allez là-dedans aussi. Voilà. On apporte en tout cas un peu de couleur à ce... à cet appartement. Ça, on sait pas trop ce que c'est. On va dire que c'est la laque ou un truc comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite. Oui, 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 oui. Oui, j'ai pas vu la photo. Okay. Oui, j'habite bien avec quelqu'un. Ça, c'était à peu près plus ou moins acquis. Ah, le pot à coquilles.
Des photos partout, des photos. Hop. Mon pot à cookies. Il est là, le pot à cookies. On a l'air d'être sur une personne qui un peu cliché, qui travaille et qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose pour cuisiner. Ça, c'est des protéines, j'en suis à peu près sûr. Quelque chose même. Ça, on a plus de place. Oh là 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 là, oh là 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 là. Je vais ranger tout ça, moi. Ça n'a pas de sens. Voyons. Est-ce que les protéines seraient pas meilleures finalement? Non, il y a encore plus ça à déballer. Je vais jamais trouver la place pour tout mettre. Bon, je verrai ça après. Dites-moi que... Voilà. Voilà.
Bah, disons que ouais. Là où en fait avant tu te retrouvais à faire à peu près ce que tu voulais en termes d'agencement, là c'est un peu en mode bon bah je vais faire ce que je peux. Ah, le ukulélé. Bah, c'est pas ouf comme place pour un ukulélé, ça. Oui, que bon. Ah, mais c'est le jeu de GameCube. Ok. Mon insecte. Où est-ce que je vais mettre mon insecte? Virer ça. Quel bazar. Comment ça, il n'y a qu'une personne qui fait des efforts? C'est vrai, regarde, je me retrouve. Mon coloc aurait pu me faire une petite, un peu plus de place, quoi. Y en a partout. Ah. Les manettes de GameCube. Bon, on va quand même laisser une manette de Xbox devant. Oh, ça, c'est un Zelda. Ça, c'est un Zelda Wind Waker. Mais non, j'ai encore ma peluche. J'avais autant de jeux que ça. Oh là 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 là. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? On avait dit qu'il fallait faire du tri après déménagement. Oh, il y a, bah oui, forcément il y a la console qui va avec. À l'aide. Encore des bouquins. Encore des bouquins. Mon Dieu, mais on dirait moi quoi. Quel enfer. Aïe. Dirais-moi. Faut trouver la place en plus. Donc, on verra après, c'est pas trop grave. On va partir du principe que pour l'instant les peluches sont dans la chambre. Oh la vache. Le plaid. Et encore des bouquins partout, des bouquins.
Bah oui, je me doute bien que c'est un peu le bazar. Hein. Hop, le DVD, ça va là. Ah ouais, non, mais le coup, il prend trop de place, hein. C'est pas possible. On peut pas mettre à la verticale. Pas moi. Tout a l'air à bon. Ça a l'air d'aller ici. Ok, il y a que les bouquins qui sont en bazar. Ah ouais, non. C'est dommage qu'on puisse pas mettre le ukulélé du coup. Ça va râler. C'est le boiseur. Ouais, on peut pas décaler les manettes. Ça, c'est quoi qu'il y a sur la table? Ça, c'est mon PC. Ma tablette graphique. Ensuite. C'est dommage qu'on puisse pas le mettre mieux que ça, ce petit ukulélé. Oh, ça fait tout ça arranger aussi, à l'aide. Et ici, ça va. La poule, on va la mettre là. Avec le petit truc comme ça. Point, point. En même temps, est-ce qu'il serait pas mis dans le salon? On va bien trouver une petite place. Ici. Toi, tu vas dans la chambre avec les autres. Ensuite, oh, il n'y a plus que deux livres à ranger. Il y a de la place. Il y en a un qui va tirer. La personne avec qui j'habite va tirer. C'est quoi ça d'ailleurs? Ah, ben voilà. Aïe 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 aïe. Là, on est vraiment dans la phase en mode. Ouais, bon, on fait comme on peut, hein. On se débrouille. Non, ça faut que ça aille dans le tiroir. Hein. Ça, il faut que ça aille dans le tiroir. Bon, on va mettre là où. Là où. Voyage, voyage. Oh, mais il y a plein de place partout, quel incroyable. Incroyable. Il m'ennuie avec son pot de proc, lui. J'ai rien contre les protes, mais il faut trouver un autre endroit. Il va falloir autre chose. Hop! Incroyable! Voilà. Boum. Hop.
Par contre, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il existe du café qui n'est pas soluble. Incroyable. Forcément. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'était quelle année? J'ai pas le temps de dire. Est-ce que je suis parent? Oh, ce serait trop cute. Parce que là, on retrouve des objets de quand j'étais enfant. Là, il y a les haltères. Ça jusque-là, ça va. Ça, c'était mon trophée. Où suis-je du coup? Oh, ça sent la séparation, ça. J'ai fait du judo? Comment ils savent que j'ai fait du judo? Oui, ça c'est après le foot. J'ai fait du judo. Soit je joue un nouveau personnage, Changeling. Soit ça sent la rupture et du coup bah, je me débrouille. Ouais. Ils sont toujours là, mes petits objets. Ah ouais, là j'ai juste une salle de bain et une chambre. Ok. Ça laisse pas énormément de place quand même. On se débrouille, c'est pas grave. C'est pas grave. On a des photos souvenirs. C'est pas le même que tout à l'heure, d'ailleurs. Oh, ça sent le retour chez papa. Ouais, peut-être le retour chez papa et maman. Je suis en train de faire mes théories. Mais ouais, ça pourrait être un retour chez papa et maman. Je verrais bien ça comme ça.
Ah! On est passé sur une 3DS. Incroyable. Toujours mes petits crayons, la petite table, ma petite tablette graphique. Ouais, bah c'est avec toi. Du coup, c'est bien moi. Et c'est le retour chez papa et maman. Je suis à peu près convaincu. Maintenant. Petite séparation des familles. Je connais ça. Hop. Ça c'est chiant qu'on puisse que le mettre en... Non, ça va aller comme ça. Hop. Ok, parfait. Les jeux de 3DS, bien sûr. Ok. Mon sac là. Le petit cadre par ici. Ça va aller là. Allez, paf. Le ukulélé, il va aller là-haut. Il y a une variation sur la musique qui est la ronde, plus dramatique. C'est un peu étonnant. Voilà, bigote. Ça c'est pour le mal de dos. Ok, je vieillis. Hein. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Du coup, on est en 2012. Bah ça a fait du tri dans les affaires. Bon, ça sent la photo de couple qu'il faut que je range quelque part pour pas qu'on la voie. Non. Ok. Ouais, ça sent la rupture quand même. Cette pièce me semble plus grande avant que tu aies. Retour à l'indépendance. Toujours avec mes petits objets, tout le temps. Je l'aime pas cette tour de piste. Je la trouve pas très jolie. Oh c'est. Oh c'est rustique, hein? Sur une personne très Nintendo. Je comprends tout à fait. Alors par contre, ouais, on va pas ranger les torches qu'on les serviettes ensemble, hein. Ah, tu sens que la joie est un peu revenue quand même. Yes, voilà, très bien ça. Elle était sortie en 2013 déjà. Bon.
Ah, mais attends, mais oui. On veut une vraie place pour la Wii. Ce jeu, ouais, ben c'est vraiment. Encore une fois, on est sur un game design simple, hein, mais ça raconte plein de choses. La petite 3DS qui va bien. On range comme ça. Le petit devant qui est là. Tac 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 tac. J'ai des bouquins de partout. Il y a des bouquins de partout, c'est pas possible, ça suffit. C'est un bouquin ça? Non, c'est un DVD. Faut que, par contre, on va falloir revoir comment on fait les cartons. Ça va pas du tout. Ça, c'est un panier à linge. J'ai décidé que ce serait un panier à linge. Voilà. Je fais ce que je veux. C'est ça la beauté de la chose. Parapluie. Qu'est-ce que je fais foutre avec un parapluie? Très bien. Quoi? What? Ce choix avec une cave. Je me suis fait mal. Ça fait une norme de feu. Voilà, ça fait une norme de feu. Pourquoi j'ai une foutue canne? Où je vais la mettre la canne? Ça c'est quoi? C'est une enceinte? Moi maintenant j'ai un bureau, ça c'est cool. Oui. Oui. Il est où mon... Ah voilà. Ça je voulais pas. Mon petit bol là. C'est Antoine. Comment vas-tu? Oh là là. Je deviens vieux, hein, c'est moi qui. Ou c'est moi qui. Bah ça va, hein. Ouais, toujours aussi cool. L'histoire avance bien.
Je sais pas trop ce qui m'arrive. Je pense qu'il y a eu une rupture à un moment. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est. Mais ouais, non, ça va bien. Et ouais, non, la narration est toujours aussi. Est toujours aussi forte, hein. Maintenant, je fais attention à mon poids, c'est bien. Ah là là. On va tenter des choses ici. Paf! Ok, donc la salle de bain, c'est fait. C'est un peu déroute, mais. Voilà. Bon, la listerine, on peut faire sous la douche. Pas trop grave. Oula! Oulolo! On revient au bal. Donnez-moi mes cintres. Il faudrait un cintre. Ça, c'est une enceinte en fait. Donc, ça va retourner par là. Ensuite, on retourne dans la chambre. Ah, quoi que non, j'aurais pu mettre dans le bureau de photos. Ça va, j'ai trop de bureaux. Quitte à avoir un bureau. Ok. Non, dans la chambre. Ok, encore ça à ranger. Une petite bougie. Incroyable. Va vraiment falloir qu'elle revoie sa notion de faire les cartes. Enfin, con, il va falloir qu'on revoie notre manière de faire les cartes. En fait. Il n'y a rien qui va. Uf. Uf. Ça, je sais pas quoi ça c'est. De toute façon, on me dira si ça va pas. Ah. Mais ouais, le dragon est revenu. Il avait disparu pendant un moment. Et il est revenu.
la partie lors de l'album justement précédent. Très jolie robe. Bébé, donc la partie. Toujours les peluches partout. Ouais. Comment ça, j'ai trop de fringues? C'est pas ce que vous voulez dire. Plus qu'à empiler les choses. Hein. Ah, ouf, yes, c'est ça qu'on veut. Hop, on retourne dans le salon pour ranger à l'aide. La bouillotte, elle est bien sur le. Ok. Donc il nous reste le bureau et la cuisine. Oh vache. Ok. Dans la vie, il y a des cactus. Ouais, non, c'est clair. L'ordi, ça fait un moment qu'il est là. Ce qu'on met là-dedans plus tard. Hop. Faisons comme ça.
Quel enfer. Est-ce que tout ça, ça irait pas plutôt dans le salon du coup? Scanner ça. Voilà. Le bon vieux bac avec toutes les avec tous les fils. Elle a juste sous les lips. Ça sera. Ramettre de papier. Ah. Carte de visite, voilà. Un bon vieux routeur. Tac. Ah, voilà. Ah, le routeur est déjà en marche. C'est parfait. Tout est vert. Chose qui n'arrive jamais pendant un déménagement. Parce qu'il y a toujours des soucis d'internet lors des déménagements. On sait tous. Ce jeu n'est pas réaliste. Oh le le. Qu'est-ce que. Ah bah super. C'est un plaid. Oh, c'est... Oh, j'ai plus de place. Et bah c'est rare là pour l'instant. Voilà. Ensuite, une porte qu'on s'arrête par contre. Après ce tableau là. Il est déjà 14h27. La cuisine. Merci Dils19 pour le follow. Bonjour. Bonjour Dils. Bienvenue. Mais ça, c'était pas des objets qui étaient à la personne avec qui j'habitais. Ah, de la sauce soja. Bien sûr. On ne peut pas vivre sans ce sujet. Alors. On va commencer à ranger un peu. Au fur et à mesure, quand même. Tac.
Donc comment ça va? C'est la première fois sur le chat. Je sais pas ce que c'est. Hop. Ok, ça marche. Ok, ça va alors. C'est un composteur, c'est une poubelle. Ça, c'est des magnets. Ah ben voilà. Ils sont là. Au moins cette fois, il y a de grands tirs. Et ça, c'est cool. Je veux que ça déclenche un achievement. Ah. C'est des petits c'est quoi ça?
Oh, tout le monde sait que la passoire, c'est vraiment bonne. C'est comme ça qu'on empile les choses. Voyons. C'est un peu bordélique. Un chandelier de branche. Malade. Et là, ça veut me dire, ouais, c'est ça. Plein de choses qui vont pas. Ah oui, parce que sinon je peux pas faire avancer. Très bien. Quoi? J'avais pas vu les casiers de rangement à l'aide. En plus, c'est tous les trucs qu'il faut déplacer un par un à l'aide. Je l'aime plus votre jeu. C'est fini. Ouais. Genre, ça te donne l'impression que tu peux faire ce que tu veux, mais pas du tout. Et oui, donc il faut mettre ça dans un placard, dans un casier de rangement. Et si je faisais ce que je voulais, non? Oh bah oui. Ça c'est génial à chaque fois. Hop, allez, on va faire dans le placard. Le tapis de. C'est bon le tapis de sport. Y'a rien à redire dessus. Hop. Ça va, j'ai de la place pour mettre les chaussettes et tout le reste. On est bien. Finalement. Ensuite. Non, ça va pas non plus ça. Ça fait très bien en dessous. Ça fait très bien dans le tiroir du coup. Ça du coup ça va là, ça va pas. Non, ça va pas. D'accord que c'est un panier à linge sale, ça.
Ah, mais non. Il y en a là-dedans. Oh là là, quel bordel. Ça peut pas être une fois. Tadadum. Tadadum. Une toute petite lumière. Paf. Hop, ça, allez, plutôt là. Ça ira là, c'est décidé. Hop, la planche à découper, elle va là. Et le micro-ondes, où est-ce que va le micro-ondes? Paf. Ça peut aller dans le. Ah, ça peut aller ici. Ça ira là. Bon, ça sera un peu bordé. Ça va. Ça va pas. Faut ranger dans le placard, ça, c'est ça. Ça, vous êtes en train de dire. Oui. Disons que. Alors, les bougies, ça va pas ici. Non, toi tu restes debout. Très bien. Phoenix. Ah, la renaissance du Phoenix. Très bien. Merci. Vous trouverez comment récupérer un canapé plus tard. Merci, Antoine. Indépendance. 2015. Ok. Bon, on va s'arrêter là, par contre. Pas beaucoup plus à dire en termes de game design. C'est trop bien. C'est trop bien, donc là ça y est, j'ai récupéré un canapé. Donc je pense que je ferai pas d'autres vidéos game design dessus, mais je le terminerai en off. Histoire de. Parce que je veux savoir comment ça va se terminer. Donc on a eu l'enfance, on a eu notre premier appartement d'étudiant, notre deuxième appartement. On a commencé à habiter avec quelqu'un, et je pense que ça s'est mal terminé parce que ça a été retour à la chambre de papa et maman. Et là, nouvel appartement et indépendance avec la renaissance du Phénix. Je vois que ça a gardé à peu près ce que j'avais rangé. Ah ouais, ça a gardé le même rangement. Ah non, ça a pas gardé le même rangement. Ouais, plus ou moins, si en fait. Mais non, le game design est trop cool, hein. Le fait d'avoir une narration comme ça par le déménagement, c'est trop bien. L'histoire se fait tranquille et enfin ça en dit beaucoup quand même sur bon il y a quand même des limites sur la liberté qu'on a à placer les choses où on veut mais quand même je trouve que ça en dit beaucoup sur nous finalement c'est comment on va ranger les objets comment et il y a moyen d'être hyper carré dessus et d'être en mode maniaque.
Mais trop bien. Non, non, la narration est trop cool. Et puis même en termes de feedback, dans l'ensemble, ça marche bien. Enfin, le fait d'avoir le placard qui ne se ferme pas parce que le tiroir est toujours ouvert ou des trucs comme ça marche trop bien. Quoi d'autre? Les feedbacks sont bons, la musique est hyper chouette. Et puis même, c'est vrai que quand on regarde par la fenêtre tout à l'heure, quand on revient à deux albums avant, on voyait qu'on habitait dans un grand appartement qui était assez chicos. Et on pouvait voir à l'extérieur que c'était une grande ville avec on était dans un appartement à étage et tout ça. Du coup, ouais, non, c'est vraiment trop cool, ça marche hyper bien. C'est vraiment un jeu de chill en plus, détente. Tu fais ton petit truc, donc non. Ouais, j'ai fait un peu rapidement sur certains trucs pour pas que ça dure trop longtemps, mais je peux imaginer qu'il y a certaines personnes qui jouent à ça et qui sont en mode, comment je vais agencer mes trucs, quoi. Oh là 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 là. Ouais, donc la prochaine phase, ça va être la phase de rangement. Ah si, il y a encore des trucs à déballer. Mais ce sera phase de rangement. Du coup, trop bien. Les interactions marchent bien. Ouais, en termes de narration environnementale, ça se pose là quand même. C'est très très cool. Du coup, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'y jouer ou de le continuer. Ou alors, ça vous a donné envie qu'on continue ensemble prochainement. Merci à toutes et à tous d'être passés et aux nouveaux venus, du coup, bienvenue sur la chaîne. Et je pense qu'on se retrouvera je suis presque à la fin, mais trop bien. Eh ben, ça va être cool de terminer ça. J'espère que je pourrais terminer ça avec vous, ce serait cool. Merci à vous d'avoir été là, avec plaisir pour le stream. Et je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine, lundi prochain, je pense, pour des streams découvertes. Parce que là, après, moi, je serai au Festival du Jeu à Cannes à partir de mercredi. Mais je pense que j'essaierai peut-être de streamer sur les festivals. On va voir un peu pour tenter de faire un truc avec l'application, voir ce que ça donne. Vous aurez des nouvelles, sinon en tout cas je mettrai ça sur l'Instagram Café GD. Et ça, histoire de vous tenir un peu au courant de ce qu'il y a de cool sur le Festoche. Voilà, encore merci à toutes et à tous. Passez une bonne après-midi, profitez bien. À la plupart de ceux qui sont là, je vous recontacterai pour que nous allions boire un verre pour mon anniversaire, parce que c'est aujourd'hui, mais cette semaine ça va être un peu chaud, mais semaine pro, je vous contacte. Donc, vous enverrai des messages. Merci du stream d'anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais ouais, je vous contacte pour qu'on s'organise ça. Des bisous, bon après-midi à toutes et à tous. Bye bye.